Thank you.
même si c'est doucement. Thank you.
Yeah.
Ouais. C'était encore un peu timide, mais c'est la première fois que j'essayais comme ça en atelier ou en stage la guimbarde pour lancer l'impro. Donc je pense que si je chante pas ou s'il n'y a pas la guitare, peut-être parce que c'est plus nouveau, enfin, je sais pas si vous avez quelque chose à en dire. Ou sur autre chose avant d'ailleurs, comme ça on va faire un petit temps comme ça. Actuellement. Ouais, j'aime bien le côté que ça fait une note. Ouais. C'est vrai que c'est tout un autre type de chant. Ouais, voilà, de ouais, la, c'est y a vraiment les accords qui différent. changent Ouais. et tout. Et en même temps rythmique. Ouais. C'est assez portant en fait. Après, c'est vrai que c'est pas dans les habitudes. Ouais, peut-être. Hein. Avec tout ce qu'on a fait avant. Ça porte loin. Ouais. Peut-être une façon, ça serait ce qu'on a fait au séminaire aussi, qui était comme une note. C'était où Avec l'harmonium? il y avait avec l'harmonium, et même avant l'harmonium, il me semble qu'on avait fait avec les gens chantaient, tout le monde chantait une Ouais. note, et comme un peu comme les impros, mais sur une, mais où Oui, les un autres bourdon, accompagnaient voilà. ça. Ouais, Donc, complètement, ouais. ça pourrait, un bourdon plus ça, lui, pourrait amener le côté rythmique, et le bourdon pourrait amener le côté portant, peut-être. Bah, c'est un peu ce que vous avez fait en fait, parce qu'au Au début, final, c'est vrai. que vous ne mettiez pas chanter, j'ai juste fait une note qui était le bourdon, puis ça vous donnait le repère. C'est vrai qu'on a Du coup, vous commencé êtes par parti ça. sur ça, enfin, c'était très bien, mais c'était un peu ça. Mais c'est très bien, j'adore les musiques de en ce moment, le bourdon. Bah ouais, c'est dans. J'ai l'impression que c'est racine. Dans Presque toutes tout. les musiques, il y a un bourdon qui n'est pas obligatoirement joué, mais qui est sous-entendu, en fait. Et s'il n'est pas joué, donc il y a un côté universel après. Ce qu'on appelle la musique modale au lieu de la musique tonale où on change les basses, on change d'accord. Alors que là, l'accord est toujours le même. Après, à la limite, on peut changer de gamme si on a envie de passer de mineur à majeur, des trucs comme ça, mais avec toujours ce même tapis qui est un peu comme le sol sur lequel on est posé. Après, on peut changer de position, mais on est quand même toujours posé sur le sol. Moi, je vois comme ça le bourdon. Voilà. Et du coup, ça donne à la fois un soutien, parce que chanter tout seul, par exemple, c'est pas facile. Et en même temps, il y a vachement de liberté dans le bourdon. Donc là, je me dis, je vais amener autre chose. Je pensais qu'il y aurait plus de gens du stage, mais je l'amènerai une autre fois, de toute façon. Peut-être au prochain atelier, l'harmonium. Ouais, parce que ça, c'est. Du coup, c'est pas rythmique, ça donne juste vraiment un bourdon. Hein. Et comme c'est un son qui est un peu fort, ça soutient bien, quoi. C'est un son qui ressemble assez à une voix aussi. Ouais, Il quelque part. a, il a, enfin, c'est, ouais. Il ressemble assez à une voix, je trouve. En fait, c'est le même principe que l'harmonica ou l'accordéon, c'est une petite lamelle qui vibre. Donc c'est avant, et en fait, c'est pas si éloigné de la voix. La voix, c'est un peu comme si c'était une hanche, en fait, une double hanche qui vibre. Alors ça s'ouvre à toute vitesse, je sais pas trop exactement comment c'est fait, mais c'est le principe de la hanche, quoi. Et pourtant, la transition, une transition entre une note, c'est quoi, modale, tonale. Tonale, c'est celui qu'on vient de faire. Non, tonale, Non, c'est tonale, tonalité, c'était, c'est ok. quand on Ah, va en me faire des modale. accords. Par exemple, on était en tonalité de do, mais après j'ai fait un la mineur, un mi mineur, un sol, etc. Donc, une transition entre la musique modale, avec un bourdon, en de la musique, ou que ça change à Atonal. tonal, est-ce que ça se fait, ou est-ce que pour toi c'est quelque chose Ouais, parce qui est intéressant? que par exemple, il y avoir une. Bon, c'est un truc plus de musicien, peut-être, hein, lié au chant, mais bon, c'est intéressant aussi. Mais on peut très bien faire une basse continue et après faire des accords dessus. Du coup, la basse ne change pas, elle ne suit pas les accords, mais il y a quand même une harmonie qui. Alors, qui sera toujours en rapport avec cette basse, mais qui peut carrément un peu changer de tonalité. Enfin, je sais La pas basse, comment ça sera dire. la clé de la musique et Ouais, mais comme tout. il y a pas de clé majeur, mineur, quinte, augmentée, diminuée ou normale, enfin, tu vois, quand tu as juste une basse, ouais, c'est un peu technique peut-être. Hein. On va refermer la parenthèse, mais Non, c'est c'est une question de musicien, mais si on pose des questions comme ça, j'ai du mal à pas répondre. Non, en tout cas, c'est Ouais, sympa d'avoir aussi le côté il y a des croisements qui d'une se note. font dans le jazz notamment. Puis maintenant, dans toutes les musiques modernes, musique ethnique, mais avec l'apport moderne, jazz ou autre, justement, électro, etc. Il y a plein de croisements qui peuvent se faire, moi j'aime bien. Ça a un feeling assez ancien aussi, du coup, vu que Le c'est. bourdon amène ça, ouais.